Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Merci. Merci. Nous demandons de l'équipe d'urgence et vous apprenez nous. Et on prononce rapidement sur lui, qu'après permettre tout le monde bientôt et nous disons déjà merci. Donc c'est chaque fois que nous proposons ensemble, il y a un résultat que nous besoin, la population a besoin de services, nous-mêmes qui participent, nous-mêmes qui le payons, nous pour et travaillons ensemble pour nous faire le service qu'ils nous demandent, le service qu'ils méritent. Donc je dis à son bonjour, je dis à ma bien dormi. Et nous avons pris nous bien dormi. Donc le gouvernement content, la présidence content, travaux publics contents, EDH content, consulaires des comptes contents. En nous proposant ensemble pour nous bailler pays, on l'autre image, on l'autre population, on l'autre lieu d'espoir. Suite à l'appréciation Goudla par rapport à dollar, prix produits premiers nécessités ont commencé à baisser. Constat dans divers marchés dans la zone métropolitaine montré produits comme l'huile, diri, pois, farine, sucre, si bien baisse. Il y a un mesi diri d'oum qui est à 20,85 goud à 20 pour qu'on y a 70 goud. La différence 15 goud sur marché. Pour d'oum sucre avec farine, il y a 20,55 à 40 goud contre 65 à 50 goud avant d'après ça machin y a rapporté. Commerçants yo exprimer satisfaction yo face à décision ça. Il y a quelques améliorations dans quelques produits vraiment. Il y a quelques produits qui descendent, par exemple sucre, lait, spaghetti. Si ça tu as atteint dans $700, qu'on y a le passé à 260, 270, donc il descend lui-même. Nous sommes contents de baisser même temps, mais il baisse toujours. Machin yo dans recommandation yo souhaiter autorité au travail pour baisser tout prix produit yo sur marché local là. Machin yo plus loin mandé entrepreneur à commerçants yo respecter fixation prix produit et marchandises sur marché. Tout produit a supposé descendre. Tol, ciment, caille en américain, tout produit, tout bagaille net nous besoin pour nous consommer, t'as supposé descendre. C'est pas celle du riz, l'huile, net nous besoin. L'école, tout. Il faut bagaille la stable. Bagaille chaque jour, si après tirer, on bagaille chaque jour. Si après tirer, pour organiser, mettre tête ensemble, si après tirer, pour retirer, pour un barbe, ça. Tout le monde a pris une bagaille à l'ombre, 20 prix dans tout côté. Ma petite sac dit, ma 20,000 gouttes, tout le monde a pris tout côté 1,000 gouttes. Sorti 10 août pour arriver fin septembre, le pourcentage taux d'échange l'an passé de 124 à 65 gouttes pour un dollar américain. N'a pas souligné, pour journée lundi, taux référence BRH là, c'est 70 gouttes 55 pour un dollar. Dans nos sociétés, lorsqu'on a besoin de renforcer le système politique là, il faut garder la culture politique. Mounia. Et en fonction de qui orientation vous voulez bailler la culture politique, non? Ou pas capable de former ou bien socialiser la population. Selon experts, et particulièrement Gabriel Allemand avec Sidney Verba, qui a écrit un livre La culture civique, là-dedans, il a défini trois types de culture politique. Vous dites, ou capable de culture politique paroissiale, côté que nous n'avons pas trouvé attaché à PIA, à tout grand système, non, il aurait été article que attaché à. Et yo régler tout à fait dans un petit clan, dans un petit communauté côté hier. Yo pas ouais le pays global. Ou bon culture de suggestion, culture de suggestion, nous on a suggestion nous est sujet, son culture côté que citoyen, citoyenne, est-ce que me carrer le consacrer que individu a li ouais tête li seulement comme il gagne devoir vis-à-vis de communauté, li pas ouais que il gagne droit que qu'a exiger que communauté respecter. Par conséquent, il va penser que il capable influencer façon système n'a fonctionné, façon bagaille ou a fait, il pas qu'à changer rien. Donc li chita là, l'accepter tout bagaille Jean hier. Et troisième type de culture, mais quand même du troisième niveau de culture politique, c'est lorsque citoyen, citoyenne conscient que il doit participer. Il y a une culture de participation, nous travaillons tout en culture démocratique. Et c'est ça nous besoin, je vous dis, pour nous renforcer le système politique là en Haïti et pour faire que l'État marche pour bailler résultat à la population. Il y a une culture démocratique, il y a une culture de participation. Et qui ça nous constate? Nous constatons que nous devons arriver là. L'élection, par exemple, c'est en moyenne, le point d'élection qui fait dans le pays, de 2010 à 2017, c'est en moyenne 20% de monde qui a participé dans l'élection. Et on sentit que la population, pour sa grande majorité, n'est pas sentie concernée par la vie publique.
Et comme dans la population, nous avons deux groupes qui sont très nombreux, c'est les femmes et les jeunes, aussi voulaient attaquer le problème ça et tenter cette forme de socialisation pour mener nous à la culture politique de participation ça à partir de nos formations. Formation ça a commencé le 26 octobre, mais nous avons lancé l'inscription le 1er octobre en ligne. On va aller sur le site internet aussi là, au site haiti.org et on va pouvoir application côté que pour aller remplir, mettre information pour capable participer dans la formation. Une fois que nous qui intéressé à fin inscrit, vous pouvez recevoir un email qui dit pour confirmer. Là, fin confirmer, la joindre plateforme côté que pour lui choisir pour participer dans le groupe WhatsApp côté que vous pouvez poser bien possibilité de poser questions et joindre information de intervenant. Et formation ça, l'a fait en ligne et n'a gagné à la fin de formation hein, qui a duré en période de 10 semaines, n'a gagné ça en regroupement. Dans le cadre de regroupement, nous parlons dans 4 régions, au Cap-Haïtien, au CAI, n'a gagné à Port-au-Prince aussi, et dans, à Gonaïve, dans l'Artibonite. Et maintenant, si on nous a l'autre département que ça a cité là, on va faire déplacement pour sortir dans le département pour là, pour venir dans la ville qui est plus près là. Pour être capable de participer dans ce genre de regroupement, côté que nous allons gagner un panel de discussion sur différentes thématiques qui abordées dans qui sont formation thématique centrale là. Et on parle des possibilités pour en même temps recevoir certificat chaque monde qui a participé dans le processus de formation. Le développement rural, thème qui kembi, Anessa, pour célébrer la journée mondiale touriste là, c'est un moyen pour organisateurs de mettre accent sur le touriste là dans relancer l'économie, surtout dans la région rurale. Initiateur aurait été quoi par rapport à la crise pays où on est à Anessa dans sa fait santé, tout cela peut aider la population rurale à prendre tête en charge, mais créer des bouchers. Tourisme, comme nous pensons déjà, c'est un facteur, un vecteur qui est important pour relancer l'économie mondiale. Là. Donc nous voulons participer et nous voulons marquer journée ça par une activité concrète et d'un discours tout qui positionne nous, qui gens nous pensons que nous allons relancer le tourisme national là, dans le pays d'Haïti. Le thème année ça, c'est tourisme et développement rural. Son gens pour mettre accent sur la communauté dans la région rurale qui gagne un patrimoine, qui gagne un patrimoine culturel, qui gagne un patrimoine vivant. Et c'est une façon pour entraîner les touristes vers la communauté rurale. Ministre touriste Myriam Jean explique au niveau ministère le travail à caractère concerné sur un document plan relance capable de comprendre l'importance touriste à retombée économique. Nous avons préparé un document de plan de relance de concert avec tout le secteur que nous avons déjà transmis au ministère des Finances et à la primature de manière à ce qu'il l'intègre dans le plan de relance économique globale du pays post-COVID-19. Et dans le plan de relance, nous mettons accent sur plusieurs axes. Donc, il y en a action, c'est des axes économiques de manière à inciter Haïtiens. Globalement, c'est inciter chaque Haïtien à comprendre la transversalité du tourisme et retomber bénéfique. Dans la causerie, nous aujourd'hui éviter l'environnement pour participer avec nous dans la sensibilisation. Côté positif, là, c'est que des moyens toujours pour nous sensibiliser la population à travers les plus jeunes. Nous en discussion avec l'éducation nationale et environnementale pour nous acquérir nous mettre en place un système de formation des plus jeunes pour sensibiliser sur l'environnement et sur le tourisme de la CAIO et pour nous sensibiliser tout sur l'accueil, sensibiliser tout sur le retombeau et sensibiliser sur la préservation patrimoine et culture pays. Ministre Isla a plaidé pour sensibilisation citoyenne dans la question touriste pour aider à comprendre bénéfices touristes capotés pour le développement communauté. Prenne. Quand il y a des gens qui sont découragés parce qu'ils ont été mobilisés, ils ont eu deux fois et puis ils n'ont pas joué de résultat. La vie n'a pas changé. Situation économique n'a pas amélioré. Situation sociale, yo, au lieu d'améliorer, elle est capable même de dégrader, nous capable de dire. Parce que au cours de ces 30 dernières années, chaque année, nous avons perdu un point dans le produit intérieur brut, dans le produit per capita.
Donc, nous sommes découragés. Même nous disons que pendant que grande majorité nous sommes découragés, une série de monde qui, au contraire, profitent de découragement, profitent de retrait, pour eux-mêmes rentrer et plonger dans la politique. Là. Des gens qui ont de gros intérêts économiques pour protéger, des gens qui ont de gros intérêts financiers pour protéger, des gens qui cherchent protection pour continuer à faire affaire louche que ils ont commencé à faire et qui rapportent en pile l'argent dans le pays. Donc, moi, je crois que il faut que nous ne pas décourager, au contraire, il faut que nous mobilisions nous davantage pour n'est-ce pas participer dans la vie publique dans le pays d'Haïti. Mais cependant, nous connaissons que aujourd'hui, il y a un pile problème pour faire participation. Mais cependant, nous-mêmes dans OCID, nous pensons que joie va venir, côté que va gagner un accord politique entre nous-mêmes haïtiens, entre les différentes sensibilités politiques. Et à partir de ce moment, nous sommes capables de gagner un CEP qui gagne des membres qui viennent de certains secteurs, de certaines associations, de certaines institutions qui gagnent notoriété dans le pays, qui légitiment et qui sont capables de légitimer CEP ça. Insécurité qui accélère chaque jour plus et qui vient prendre forme non seulement kidnapping qui a commencé, mais des assassinats spectaculaires qui mettaient mon nom peur. Donc, aussi condamner ça et aussi encore une fois demander à ce que l'autorité suspende déplorer mais que prend responsabilité pour garantir sécurité et la vie de tout le monde. Parce que droit à la vie, c'est le premier droit élémentaire que tout le monde gagne. Et c'est responsabilité de l'État, donc l'autorité pour que lui assure ça. Même si ça a été fait en 2015, il y a d'abord un consensus politique qui était joint en janvier, nous un accord politique signé, et sur la base de cet accord, nous avons formé un CEP qui était entériné, bien entendu, qui était joint une provision constitutionnelle, provision légale à travers le décret du 2 mars 2015. Jodi a ces mêmes conditions que nous demandons qui nous réunit pour que nous sortions d'une crise politique. Il faut que nous chita parler sur toute question qui fait problème et au consensus sur qui, dans quel sens nous allons orienter et solution. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec la chaîne. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes ap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.